Y'a quelqu'un ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais y'a pas qu'est-ce qu'il y a eu, y'a quelque chose en fait. Aucun putain de sens, mec. Bonsoir à toutes et à tous. Donc CVP qui vous accompagne sur cette enquête. Donc j'ai la voiture qui est devant. On est dans la forêt massacre. Donc du coup pour vous dire, comment vous dire ça, on est parti pour 4 heures d'enquête. Donc s'il y a des coupures, c'est normal. Parce que sur 4 heures d'enquête, on a les batteries qui vont lâcher, on a les cartes SD qui vont être saturées, donc du coup, il y aura certainement des coupures. Donc vous inquiétez pas, quoi qu'il en soit, les faits sont réels, ils sont là, ils sont présents. Donc on se retrouve ici dans la forêt massacre, c'est pas de gaieté de cœur, parce qu'on a eu quand même pas mal de réactions au K2. Et Spirit Box, donc ça se passe surtout par là-bas, juste ici. Donc on va essayer de faire des exercices aujourd'hui sur K2, Spirit Box. On va essayer d'avoir des réactions en espérant que les esprits entités soient là, soient présentes. Forcément évident de naviguer ici. En plus, il fait pas forcément chaud, je vous annonce. On est toujours en hiver, même si en février, il fait quand même pas trop mal ici. Donc voilà. La voiture est juste là, à 15 mètres. Et donc on va exercer ici, tranquillou. Je vous avoue qu'il fait pas mal froid. Je vais prendre quand même une température pour voir ce que ça donne. Comme ça vous êtes au courant. La température, vous êtes avec moi. Donc il fait moins 4 degrés, ça fait plaisir, moins 5, et on est là pour essayer d'avoir des réponses, comme d'habitude, sur la vie après la mort. Donc on va commencer tranquillement pour se mettre, comme on dit, en jambes, avec une séance de K2, parce que, rappelez-vous la dernière fois, c'est ici qu'on a eu pas mal de réactions au niveau du K2. Excusez-moi si je gigote pas mal. C'est parce que la sacoche est pas évidente. Donc on va commencer directement dans le vif du sujet. Donc la dernière fois qu'on est venu avec Tyler, on a eu pas mal de réactions au niveau du K2 et de la Spirit Box. Donc on va surtout livrer, comme je vous disais, donc, de ici, le tronc est ici et là. C'est là qu'on va œuvrer, où on a eu pas mal de réactions.
Donc on va voir si aujourd'hui on va avoir autant de réactions que la dernière fois. Surtout au niveau du K2. Donc je vais me présenter. Bonsoir. Je suis VP. On est venu plusieurs fois, deux fois pour être exact, ici. Avec mon confrère Tyler. On a eu pas mal de réactions avec vous. En espérant que ce soir on ait aussi des réactions. On n'est pas là pour vous déranger, on est des chercheurs de réponses surtout. Et on souhaite savoir ce qui se passe après la vie, après la mort, tout simplement. J'ai envie de vous dire. Donc si vous voulez vous manifester, c'est avec plaisir. Donc je tiens dans ma main droite un appareil qui permet de détecter les champs électromagnétiques que nous appelons K2, qui permet de savoir si vous êtes là avec nous en notre présence. Donc si vous voulez vous approcher et nous montrer votre présence, ce serait avec un très grand plaisir de savoir que vous êtes avec nous. Je vous avoue que c'est un soir de pleine lune et que Dieu sait ce qui passe pendant une pleine lune, en espérant avoir des réponses sur la vie après la mort. Donc je vais déambuler dans les bois pour savoir comment ce qui se passe après la mort, tout simplement. Je perds un petit peu mes mots parce que je vous avoue qu'il fait froid. On va essayer de se balader, se déambuler dans les bois. Commencer une présentation. Donc bonsoir, je suis VP et je suis un chercheur de réponses de ce qu'il y a après la vie après la mort. Et ce serait un grand pas de savoir si vous êtes avec nous, parce que la dernière fois nous avons eu des réactions, des voix dans un appareil qu'on appelle la Spirit Box, que j'utiliserai certainement après, pour savoir ce qui se passe après notre vie sur Terre, ou directement si vous avez été vivant ou pas du tout, savoir si vous pouvez communiquer avec nous. Donc comme je le disais tout à l'heure, dans ma main droite j'ai un K2 qui détecte les champs électromagnétiques, qui me permettra de savoir si vous êtes avec nous ce soir pour cette investigation. Donc si vous voulez vous rapprocher, eh ben, j'ai toute votre attention, en tout cas.
pas de réaction au niveau du K2 depuis tout à l'heure, à moins que... Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Attendez, parce que là, ce que je comprends pas, c'est que la voiture est garée juste là à 15 mètres. Le truc, c'est que pour pas vous mentir, j'ai les clés avec moi. Donc attendez, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ça allume. Avec moi, c'est ça le pire. Putain, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai pas eu de réaction au niveau du K2, mais j'ai eu des réactions. J'ai les clés qui étaient dans la bas poche. Du coup, pourquoi ça s'est allumé? C'est une très bonne question. Bon, on va laisser ça comme ça. Je vais retourner au même endroit. Je vais essayer une séance de Spirit Box vu que le cadeau n'a rien donné. Je vais y retourner tranquillement. Pause 5 minutes. Box en place. M'excuser le temps que je mette tout le matériel en place. Thank you.
Donc voilà, là on est sur une fréquence rapide. Bonsoir, je suis VP, je suis en quête de réponse, donc si vous êtes avec nous, veuillez vous présenter. Là je suis sur une réponse rapide, je suis à 5000 secondes, donc du coup ça va très très vite. S'il y a besoin de changer de fréquence, je le changerai. 150 millisecondes ou 100 millisecondes. Donc, bonsoir. Est-ce que vous êtes parmi nous? Dans cette forêt qu'on appelle forêt massacre, dans laquelle on est venu une fois avec Tyler. On a eu pas mal de réponses. Donc si vous êtes ici, veuillez vous manifester par le biais de cette radio modifiée. Il permet de vous entendre. Sept. Si vous êtes parmi nous, quel est votre nom? De fréquence assez fréquemment de manière à pouvoir filtrer s'il y a des ondes radio et autres. C'est malheureusement on ne sait pas sur quelle fréquence les entités ou esprits spot se manifester. Donc j'essaie plusieurs fréquences. Si vous avez relevé des choses, vous pouvez nous stipuler en commentaire. Parce que sur le moment, sur l'instant T, c'est pas forcément évident. C'est bon. Okay.
J'ai l'impression que... Donc, pour beaucoup de fréquences radio, malgré tout qu'on soit assez enfoncé dans la forêt. On connaît son chemin ou de la voiture. Avoir entendu quelque chose. Bonsoir. Je suis VP. J'ai cru entendre quelque chose. Est-ce vous? Je sais pas si vous avez entendu, mais j'ai cru entendre quelque chose comme éteindre les lumières. Je sais pas. Franchement, je sais pas trop. Plus de lumière. Certes, c'est assez diffus avec l'éclairage qu'on avait. J'ai cru entendre quelque chose comme éteindre la lumière. Mais je vous avoue que pour le coup, j'ai pas forcément envie d'éteindre la lumière. Êtes-vous présent parmi nous? Que voulez-vous? Que souhaitez-vous que l'on fasse? Je vous ai entendu. De voir quelque chose au loin. Êtes-vous parmi nous? Je suis VP et je suis en quête de réponse. De ce qui se passe. Ça fait entendu. Éteindre la lumière. Je vais éteindre la lumière. J'ai éteint mes lumières. Je vous ai entendu. Le fait d'éteindre les lumières. J'ai éteint mes lumières. J'ai éteint mes lumières. Je vous entends. Vous voyez pas, mais la lumière est, grâce à la lune, je vois à peu près. Putain. Bon, attendez,
quelque chose ici. Je sais pas, je vois pas. L'écran est trop petit. Je sais pas trop comment l'interpréter. Je vous avoue que je suis tout près de la voiture. C'est pas évident vu que c'est dans les bois de savoir d'où vient le son. Je vais retourner à l'endroit où j'étais, essayer de faire un autre exercice, venir pour entendre. Pas rassuré. Pas du tout. Pas de réaction au K2, pas de réaction à la Spirit Box. Les réactions audio. Au niveau de l'enregistrement. Qu'avez-vous dit? La lumière vous dérange? Putain. Il y a pas mal de bruit autour. Donc, ça peut être des bêtes. C'est la période de la chasse. Donc le gibier se rapproche assez proche de nous, donc ça n'empêche pas qu'un sanglier, une biche, peu importe, se rapproche de nous. Est-ce que la lumière vous dérange ? J'ai l'impression que la lumière dérange. Je vous pose. Je range la Spirit Box. Parce qu'on n'a pas eu de réaction. Mon Dieu, est-ce que vous avez entendu? Dans la lumière. J'ai entendu votre demande. On va essayer de répondre à sa demande. Le fait d'être en lumière, le temps d'éteindre la Spirit Box, elle est éteinte. Ça fait entendu. Des craquements. Je vous avoue que c'est pas la meilleure enquête que je fais. Je vous ai entendu. Le fait d'éteindre la lumière, les bruits, voulez-vous que j'éteigne tout de suite la lumière?
gigoter autant. C'est moi. Évident de voir. Je réitère ma question. Voulez-vous que j'éteigne mes lumières ? En tout cas, le bruit était... Est-ce vous qui avez fait ce bruit ? Excusez-moi, j'avais la langue portée dans la bouche, donc je ne pouvais pas parler. En tout cas, j'ai l'air quand même d'avoir pas mal d'activités ici. J'ai essayé de placer les dés. Donc je vous pose à même le sol. J'ai entendu éteindre la lumière plusieurs fois. Est-ce que cette entité veut vraiment parler avec nous ? Du coup, je me pose la question. La voiture s'est remise en route. La radio. Bon, attendez, je laisse une lampe ici. Je vais aller voir. Alors que je vous mens pas, je réitère, j'ai les clés dans ma main. Et du coup, comment se fait-il que cette putain de radio se mette en route ? Putain, il est aussi fort ! À quel moment, putain ? Donc j'ai laissé une lampe là-bas, avec les dés, parce que j'avais besoin d'y voir. J'y ai laissé le sac à dos aussi. Je vais déambuler gentiment par ici. Parce que putain. Putain, c'est pas fou. Hein. Je vous avoue que là, deux fois la radio au niveau de la voiture, c'est pas un truc. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou, putain. Franchement, je valide pas du tout.
Mais pas du tout. Putain, que Dieu m'accompagne chaque pas que je fais. Et chaque pas vers l'éternelle question de ce qui se passe. De la vie après la mort. Ça vous est pas. C'est pas folichon, putain. Essayez de vous mettre plus de lumière avec le panneau. Comme ça, c'est diffus. Pas forcément évident. Je sais pas ce qui se passe dans ces bois, mais c'est pas génial, putain. Attendez. J'ai l'impression que c'est éclairé au bout. Je pense pas que vous le verrez à la caméra, mais moi je le vois. C'est assez éclairé. Donc, je sais pas ce qu'il y a au bout du chemin, putain. Bon, en tout cas, c'est pas évident dans ces putains de bois. Je vous avoue que là, pour le coup, c'est pas cool. Des choses qui se passent dans les bois, entre les voies, la radio qui se met deux fois en route, c'est pas la première fois. Je sais pas quoi trop vous dire, en vrai de vrai. Putain, il y a des bruits par là-bas, putain. Retourner dans la voiture. Donc, ce que vous voyez, c'est la plaque qui se réfléchit dans la caméra. Je vais retourner là où il y avait la Ouija, enfin les dés, pardon. Parce que je vous avoue que j'utilise la table de Ouija à l'envers de manière à ce que je puisse mettre les dés. Putain. J'ai évité de me travailler le cul. Bêtement. Les dés ont bougé. Ok. Je vous avoue qu'il fait extrêmement froid. C'est pas forcément évident
Donc les dés n'ont pas bougé. C'est déjà une bonne chose. Je vous avoue que je me sens un petit peu rassuré vu que les dés n'ont pas bougé. Mais il s'est resté tel quel. Je vais laisser les dés ici quoi qu'il en soit. De manière à ce que si une entité décide de communiquer via les dés, et ben je saurai le message qu'il veut m'envoyer. Bon. Choses ils sont passées franchement entre la voiture et les bruits, je sais pas si vous avez entendu des voix, mais moi je les ai clairement entendu, ou du moins ce qui ressemble à des bruits. Pas forcément bien dans ces bois, je vous avoue. Putain. J'entends des bruits, mais ça peut être très bien des biches, comme des putains de sangliers. Je vous avoue, ça gigote pas mal autour de moi. Putain. J'entends du bruit par là, à peu près. Il y a quelqu'un ? Est-ce vous qui générez ce bruit ? Ou est-ce des bruits naturels de la nature ? Putain. J'entendais du bruit là. Et maintenant j'ai l'impression que c'est là. C'est pas évident. Seul dans les bois, je vous avoue que c'est pas évident.